Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de recevoir votre prochain objectif à Logjam Lumberyard. Alors pour réaliser ce défi, c'est un défi à étapes, donc la première étape du défi c'est de se rendre à Logjam Lumberyard. Et Logjam, il se trouve juste ici. Donc, je sais pas pourquoi mais les noms des villes viennent de s'effacer à l'instant. Donc Logjam c'est juste ici. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement et ensuite vous allez devoir recevoir votre prochain objectif. Donc logiquement, je vais tout simplement me poser à Logjam et là je vais recevoir un objectif qui est, je ne sais pas encore ce que c'est, mais voilà, je vais le recevoir et je vais vous dire c'est quoi. Donc là, hop, j'atterris à Logjam. Normalement, il va sortir son téléphone. Voilà, il reçoit un nouvel objectif. Et maintenant, je dois obtenir des relevés de 6 sismomètres en une seule partie. Il faut que j'en obtienne 2, je crois. Si j'ai bien vu. Donc là, il faut que je cherche des sismomètres. Je ne sais pas trop quoi, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, on va chercher après. Donc à mon avis c'est sûrement à l'extérieur. Après j'ai un adversaire qui est juste à côté de moi. J'espère juste qu'il va pas me prendre la tête. Ah mais effectivement il me tire déjà dessus. Ok c'est bon. Maintenant normalement je suis tout seul dans le lieu. Je vais pouvoir chercher après ça facilement. Ok donc regardez en fait sur le défi. Il est affiché tous les emplacements des 6 sismomètres. Et il faut en récupérer 3. Donc il y en a un juste ici, il y en a un juste ici et il y en a un juste ici. Donc je vais récupérer ces 3 là et je vais vous montrer ce que c'est. Ok, donc j'ai trouvé le premier sismographe. Non, sismologique. Ouais, c'est ce que... Voilà, c'est ça en fait. Donc il faut appuyer sur carré pour interagir avec. Et là, il va falloir en trouver 2 autres. Donc c'est parti, normalement il y en a un plus haut. Peut-être plus haut ou un peu plus bas, je ne sais pas. Là, je ne le vois pas. On va regarder sur la mini-carte. Donc normalement il y en a un juste ici. Donc on va aller là. C'est parti, let's go. Ok, donc le deuxième sismologique est juste ici. Donc, regardez, là il y a la colline. Hop. Voilà. Et là je vais remonter près de la route. Avec ma voiture. Et je vais chercher après le dernier. Qui est peut-être près du van de rétablissement. Donc je vais aller voir. Ouais, effectivement, il a l'air près du van de rétablissement. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Oh, il y a un monstre qui se cache en dessous de cette dune de neige. Un nouvel emplacement. Donc, il y a déjà 2 emplacements de monstres. C'est bon à savoir. Et regardez, le dernier, il est juste ici. Hop, près du van de rétablissement. Boum. Et voilà, quand vous aurez interagi avec 6 sismomètres. Voilà, 6 sismomètres. Bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.